Combien venu chez Lily Faites attendre ces gars. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Bien, nous allons continuer avec les signes du Verseau pour les trois prochains mois, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre. Et n'oubliez pas, les énergies sont complètement interchangeables. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager entre amis, communauté, famille. Si ça ne te parle pas, ça pourra parler à certains membres de ta famille, certaines personnes chères à ton cœur ou pas du tout. Bien. Et aussi, n'oubliez pas, peu importe le moment où vous tomberez sur cette guidance, il n'y a pas de hasard. C'est pour les trois prochains mois à venir, mais ça peut aller au-delà. Donc, c'est toujours autant valable. Il n'y a pas de hasard. Si vous tombez dessus, écoutez-la. Ça, vous pourrez avoir des idées, certaines informations ou même des idées ou du moins comment pourra se dérouler une situation dans votre vie. Bien, nous allons, avec ce jeu de l'oracle G, nous allons regarder au niveau de la guidance générale, les énergies générales, un peu comme la météo de ces futurs mois à venir. Et ensuite, avec l'oracle de Béline, nous allons regarder le professionnel et le financier qui est représenté par cette voiture. Et avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand, nous allons regarder pour les couples. Et ensuite, le Keeper, nous allons regarder pour les célibataires. Et ensuite, nous allons regarder avec la poire, oracle des miroirs, je crois que c'est ça, pour les relations ambiguës, les triangles amoureux. Et ensuite, avec les sacrés rebelles, nous allons regarder pour votre vie spirituelle. Et ensuite, nous allons regarder avec le normand encore, la temporalité. La temporalité, donc, si vous vous posez une question, par exemple, dans combien de temps vais-je quitter ce travail, par exemple, on va regarder en semaine. Ça peut être 30 semaines, ou voire plus, ou voire moins. C'est juste un exemple. Et aussi une question, oui, non. Est-ce que je vais avoir un nouvel emploi derrière? Oui, non, on verra aussi toujours avec le même jeu. Et pour terminer, nous allons regarder le message de ton âme. Que veut te dire ton âme? Quelle guérison elle va t'apporter, ou du moins quel message elle a pour toi, ton âme? Bien, sans plus tarder, nous allons commencer pour vous les Verseaux pour les trois prochains mois à venir. N'oubliez pas, ceci reste une guidance générale et gardez votre sens du discernement. Ça ne pourra malheureusement pas parler à tout le monde. Bien, nous allons regarder. Ça nous dit quoi? Les Verseaux. Ouh, c'est magnifique pour vous les Verseaux. Bien. On va mettre tout le jeu et ensuite on verra qu'est-ce que ça veut bien nous dire. Les Verseaux. Et derrière nous avons l'hésitation, mais nous avons le choix qui s'impose à vous. Nous avons le choix qui s'impose à vous. Vous voyez, il y a une décision à prendre ici. Vous allez devoir faire certains choix, certains compromis. Vous allez devoir vraiment faire les choses qu'il faut pour ça. Et là, nous avons quoi? Nous avons une réunion, un partage, une joie ou même une communication. C'est aussi la réunion, ça. C'est aussi une carte de communication, de partenariat, de négociation. Bien, ici on nous parle pour le moment, vous êtes dans une période prospère, les énergies sont fluides pour vous, les choses sont beaucoup plus, il y a beaucoup plus de légèreté, quelque chose d'enrichissant. Donc c'est le moment pour vous d'investir ou de vous engager dans quoi que ce soit. Vous voyez, une certaine harmonie, une certaine attraction, soit l'été a vraiment été, les trois derniers mois ont été pour vous quelque chose au niveau du ressourcement. Vous avez pris le temps de vous ressourcer, de vous reposer. Vous avez été entouré par des personnes positives, bénéfiques pour vous. Et si le mois, ces trois derniers mois, ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a comme un regain d'énergie, il y a vraiment une fluidité qui s'installe dans votre vie. S'il fut un temps, les choses étaient un peu bancales, pas vraiment, vous ne savez pas très bien dans quoi vous lancer, vers quoi vous diriger. Il y a vraiment ici une notion de je me libère, je m'expanse, je réussis, ou du moins je sais aujourd'hui, j'impose ma réussite à moi-même. Donc tu n'as plus besoin des avis extérieurs aujourd'hui. Tu as pris la possibilité, la décision d'avancer, même si tu ne sais pas par où
les choses vont aller, tu es accompagné, tu es guidé dans ce que tu fais. C'est un peu compliqué, il y a comme des tracas, il y a dû y avoir des retards, il y a dû y avoir des accidents, des freins sur le parcours que tu essayes de faire aujourd'hui ou que, dans lequel tu es en train de te lancer. Mais on te dit ici, il y a une sérénité, il y a une protection, il y a une entente et il y a un soutien de la part de certaines personnes ou de la part de certaines personnes qui sont ici et même de certaines personnes qui sont ailleurs. Donc, c'est-à-dire, si tu y crois, tes ancêtres, les guides, je ne sais pas comment tu les appelles, si tu as une croyance particulière, tu pries un Dieu particulier, il y a aussi une notion de prière ici, de je me fais confiance, j'écoute, j'avance. Mais on voit ça, c'est vraiment dans quelque chose de très protecteur, de très protectrice aussi. Il y a quelque chose de très matériel, de très maternel aussi dans ce que tu envisages de faire ou dans ce que tu mets en place. Il y a une énergie très forte maternelle qui te, je vois comme quelque chose qui te couvre comme ça. Il y a une très forte énergie maternelle. Peu importe que ce soit des personnes ou une personne, il y a quelqu'un qui prie pour toi, qui veut absolument que tu réussisses dans ce que tu envisages de faire. Il y a la possibilité pour toi de sortir des sentiers battus, tu vois. Même si on voit il y a des restrictions, des freins, la route n'est pas totalement droite. C'est pour ça cette notion de choix, c'est un peu comme si tu es encore dans les doutes et comme si tu cherches encore ta route. Tu sais pas, tu vas à gauche, tu vas à droite, qu'est-ce que je fais? Il y a beaucoup d'hésitations aussi. Et beaucoup de restrictions surtout, j'entends. Mais tu vas avancer, tu vas prendre le temps d'avancer, tu vas avancer peu à peu, tu vas prendre, du moins on t'encourage ici, on te conseille de prendre le temps, ne te précipite pas dans les choses. Parce que il va falloir que tu tâtonnes un peu partout pour savoir ce qui est bon pour toi et ce qui ne l'est pas. Que ce soit dans la vie professionnelle ou financière ou peu importe, ici c'est vraiment tes énergies globales. On te dit, il va falloir que tu avances, tu prends le temps, avance, l'espoir y est, ta prière a été entendue, du moins ce que tu envisages de faire aujourd'hui. Tu es mieux, tu es plus sur la ligne d'arrivée que tu n'es au départ. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a l'évolution ici, des choses concrètes qui se mettent en place, des choses qui se dévoilent à toi aussi, la force et la détermination de pouvoir avancer. Il y a une préoccupation, cette préoccupation va être mise à jour. Il y a quelqu'un qui va te proposer quelque chose, du moins qui va te demander des excuses. Il y a quelqu'un ici qui va te dire pardonne-moi ou qui va te dire qui va te dire oui, j'ai eu tort. Tu vois, il y a quelque chose, soit c'est toi qui demandes pardon, soit c'est cette personne qui te demande pardon. Parce qu'on voit, il y a une stabilité, il y a des choses qui évoluent, il y a une évolution, mais qui va prendre le temps. Il peut y avoir aussi une situation du passé familialement parlant ici, soit frère, soeur, mère, père, ou tout simplement mari, femme, ou quelqu'un de cher à ton cœur qui va venir te demander pardon pour quelque chose qu'elle a dû faire dans le passé. Elle va te proposer quelque chose. Ou c'est toi aujourd'hui qui n'a pas voulu accepter le pardon de cette personne ou qui n'a pas vu son honnêteté dans la façon de te proposer quelque chose. Et pour certaines personnes ici, on nous parle d'une offre, d'une promotion qui va te faire beaucoup de bien. On nous parle d'une avancée. Et si vous attendiez un lieu de vie ou si vous attendiez une avancée quelconque ici dans une situation, on te dit oui, tu vas avoir cette offre-là, tu vas avoir cette promotion où on va accepter ce dossier, cette demande que tu as déposée, cette demande que sais-je encore, et pour que tu puisses enfin passer à autre chose, pour que tu puisses mettre fin à une situation. Parce que les choses aujourd'hui pour toi évoluent. C'est évolué tellement de telle façon que tu peux changer la donne. Dans cette évolution, tu n'es plus dans quelque chose de j'attends. C'est toi-même qui poses les bases solides. C'est toi-même qui poses les briques les unes après les autres. Il y a vraiment l'avancée, l'élévation. Et plus tu t'élèves, plus tu es en train de tourner la page sur une situation. Et plus tu es en train de mettre fin à quelque chose, que ce soit un contrat ou que ce soit à une forme pensée ou que ce soit une ancienne façon de fonctionner, tu y mets fin. Et aussi, tu dévoiles et puis tu te dévoiles et aussi, il y a des, comment je vais te dire ça? Il y a des choses enfouies en toi, des connaissances ou même des choses que tu découvres qui vont te permettre aussi de te donner comme de la force et un élan ici pour aller de l'avant. C'est vraiment une transmutation, un changement, un renouveau dans ce que tu essayes de faire. Il y a vraiment quelque chose ici qui change, qui se met en jour, qui se met en lumière. Quelque chose qui était en toi enfoui depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est comme si enfin
Et tu cette force cachée, tu la mettais en lumière, cet épanouissement. Si jusqu'ici, tu n'as pas osé, on peut avoir affaire à des hommes ou à des femmes qui ont toujours été introverties. Tu vois, aujourd'hui, tu oses, par exemple, mettre des couleurs fuchsia. Aujourd'hui, tu oses aller vers des personnes. Aujourd'hui, tu oses te coiffer comme tu veux sans prendre en compte les remarques des autres. C'est quoi cette coiffure? C'est quoi cet habillement? Au fait, aujourd'hui, tu te dévoiles à toi-même. Tu vois, et ça va dérouter plus d'un. Mais c'est celle que tu es. Quand je dis celle, ce n'est pas forcément une femme, c'est la personne que tu es. Tu vois, il y a quelque chose comme ça d'abord de te faire plaisir à toi-même, de te pardonner à toi-même et ensuite d'avancer. Il y a une force ici, une vitalité retrouvée. Et on nous parle ici des communications, des échanges, des échanges, des paroles avec certaines personnes qui vont te faire beaucoup de bien, qui vont t'amener un certain bien-être, un certain bonheur dans ce que tu veux faire ici. Il y a des choses, il y a des personnes avec lesquelles vous allez échanger dans une situation comment je vais te dire ça? Dans un domaine bien précis, et c'est quelque chose qui te plaît, qui te fait te sentir bien, tu vois. Mais il y a encore un peu cette peur, et non, hormis de ça aussi, extérieur à toi, il y a des personnes qui font semblant, il y a des gens qui juste la façade ne sont pas honnêtes dans ce qu'ils envisagent de faire. Mais d'une part, toi, ta façon de t'exprimer maintenant, tu exprimes qui tu es, tu n'as plus besoin de regarder ce que les autres peuvent penser, encore moins ce qu'ils disent, ça, c'est plus ton problème, du moins. Il faut que tu passes outre tout ça. Tu auras la possibilité de parler avec beaucoup de personnes. Ça peut même être ici une situation administrative, juridique ici, ou des personnes dans un bureau. Ça peut être vraiment des personnes, soit le fait de rencontrer d'autres personnes dans la vie sociale. Il y a une ouverture sur le monde ici. Il y a vraiment cette expansion, je t'ai dit. Si tu es quelqu'un qui finalement, comme tu t'es replié sur toi-même, tu t'ouvres au monde parce que tu t'es dit, ben, il y a plein de choses que je dois connaître. Parce qu'après être sorti de cette situation, il y a eu comme une libération. Maintenant, tu deviens toi-même. Tu te permets de faire certaines choses. Il y a le bien-être, le plaisir, le bonheur, les solutions que tu trouves à des problèmes. Mais il y a encore cette notion de jalousie, d'hypocrisie à côté, hein. Donc fais quand même attention, il peut y avoir comme un mensonge ici et par rapport à les échanges, par rapport à la paperasserie en ce qui concerne un lieu de vie. Tu vois, il peut y avoir aussi, soit il y a une histoire d'infidélité ou de soupçon d'infidélité, mais on voit cette infidélité ou cette hypocrisie ou cette manipulation amène à une séparation. Et cette séparation te permet enfin de pouvoir obtenir ce que tu attendais, soit de la justice, soit de ce lieu de vie, ou une proposition d'un lieu de vie. Soit vous vendez un lieu de vie ici, mais il y a des choses qui se mettent en place. Soit des choses, à force de discuter, à force d'avoir cet éclat, à force d'ouvrir les yeux et de ne plus te laisser aveugler, il y a des choses que tu peux découvrir, des communications du passé qui refont surface, ou des échanges au niveau même des papiers. Il y a des choses que tu commences à comprendre, tu commences à mettre en lumière. Il y a une avancée par rapport à un lieu de vie. Si tu veux vendre un lieu de vie ici, on te dit clairement qu'il y a une avancée. Il y a des échanges que les gens ont ici comment je vais te dire, de façon sournoise. Des gens qui chuchotent derrière. On ne dit pas vraiment les choses. On chuchote, tu vois, on ne parle pas. Il y a comme une hypocrisie dans l'air. Il y a des gens qui parlent surtout de ton évolution, qui parlent de ce que tu deviens, de ce que tu vas devenir. Il y a une attraction ici, un bien-être retrouvé, mais un changement aussi, parce qu'il y a une transformation à venir dans ce que tu envisages de faire. Il y a quelqu'un qui part, il y a vraiment le fait de je pars, je laisse tomber cette situation, ça ne me convient plus, ça ne me correspond pas, je vais vers quelque chose qui me plaît, qui me ressemble, qui résonne vrai avec moi. Parce que soit vous êtes resté longtemps dans une situation ici où ça ne vous convenait pas, ou du moins vous avez découvert que vous valiez mieux que ça, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, peu importe, ici on est vraiment dans les énergies globales. Comme je te disais, il y a une promotion ou tout simplement il y a une acceptation de pouvoir enfin accéder à autre chose. Il y a un lieu de vie que vous courtisiez peut-être depuis longtemps, vous allez enfin avoir ce lieu de vie. Je t'ai dit, il y a une attraction positive ici et certaine. Les choses se mettent très vite en place ici pour vous, les Verseaux. Mais il va falloir faire un choix et en parler avec ces personnes pour les 3 prochains mois à venir. Bien, nous allons continuer au niveau professionnel et finances. Qu'est-ce que ça nous dit
le professionnel et finance. Ça nous dit quoi, domaine professionnel et finance? Et au niveau professionnel et niveau finance, ici, vous voyez, on nous parle vraiment d'un soutien par rapport à une étude, un contrat ou une négociation que vous allez devoir faire, soit dans une entreprise ou tout simplement pour vous aventurer dans quelque chose de nouveau. Parce qu'on voit, il y a vraiment la possibilité ici pour vous de réussir. Vous allez avoir enfin la réponse que vous méritez ou que vous attendiez depuis longtemps. Il y a vraiment quelque chose de très positif ici. On voit, il y a le soutien, il y a l'accompagnement, il y a la transcendance. Vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose, on négocie, on se met d'accord, il y a la conciliation, des compromis, on essaye de comprendre pourquoi et on veut réparer, reconstruire quelque chose, on arrange les choses comme elles sont. Donc c'est vraiment quelque chose où chacun doit trouver le juste milieu. On réajuste, on rééquilibre, on s'avance vraiment, passer au centre de ton jeu, on s'avance vraiment vers quelque chose d'équitable, tu vois, pour que les deux parties aient le même sorte gagnant de cette situation. On voit, vous allez être récompensé, vous allez être reconnu, vous allez être accompagné dans ce que vous envisagez de faire. Et même en ce qui concerne l'étude ou le bilan de ce partenariat ou de ce contrat ou de cet achat ou de ce prêt que vous voulez faire, ça peut être un prêt et que vous renégociez les clauses du contrat ou tout simplement un achat d'un lieu de vie ou un partenariat, que sais-je encore, ou même au niveau des taux d'intérêt. Vous voyez, il y a quelque chose ici comme ça qui est conforme, qui est bien pour vous, ou même un garant, quelqu'un qui pourrait supporter garant, quelqu'un qui va vous soutenir, qui va vous mettre sous son aile ici, qui va vous accompagner comme un mentor. Il y a quelque chose de très positif ici au niveau des finances et au niveau professionnel, que ce soit au niveau de l'investissement dans un projet dont tout est positif, que ce soit un prêt, c'est positif, que ce soit l'achat ou vous investir à votre propre compte, c'est positif. Donc c'est vraiment le moment pour vous, comme disait déjà votre guidance générale, un peu dans le style, la météo pour vous et des mois à venir. On vous disait, c'est vraiment le moment de mettre en action. Si vous voulez réaliser un projet, il est vraiment temps. Vous êtes dans une bonne, aujourd'hui, vous êtes dans une bonne énergie. L'énergie, elle est pour vous. Il faut mettre les choses en action. Bien. Et pour les couples ici, pour vous, les couples Verseau, du signe du Verseau, on a vraiment une fin ici, hein, la fin d'un partenariat, la fin d'une relation sentimentale. Oui, parce qu'au début, de ta guidance de couple, on nous met ici la fin. Parce que le cercueil, c'est la fin, certes, c'est aussi la transition, c'est la transformation. Mais surtout, la carte au centre de ton jeu, nous avons la fidélité, l'enthousiasme ici, et aussi quelque chose de spontané, hein, quelque chose de spontané, de véridique. On voit, il y a vraiment l'envie de se trouver, d'être beaucoup plus libre, d'être dans la fidélité, d'être dans la loyauté. Il y a certainement eu des moments de doute, des questionnements. Soit une relation, on quitte quelqu'un pour aller dans une autre relation, soit on redonne la chance à son compagnon. Pour certaines personnes, c'est ça. Et pour d'autres, vraiment, on décide de mettre fin à une relation. On décide de partir une fois pour toutes parce que soit... même s'il y a eu il y a comme des promesses non tenues. Mais enfin, on est dans une situation ici de l'engagement que l'on a pour quelqu'un, la fidélité que l'on a pour quelqu'un. Et tout simplement, il y a un attachement. Il y a vraiment des gens qui vont décider de transformer leur lien à quelque chose de beaucoup plus stable, comme un mariage, comme un engagement sincère. On sort d'une étape de... On cohabite, on sort d'une étape de... On est chacun chez soi, ou on sort d'une étape de... On se fréquente juste en tant que fiancé ou que sais-je encore pour aller vers quelque chose de concret ou même une relation qui était cachée. On décide de présenter cette personne, soit aux membres de sa famille ou du moins de vous à vous-même. Vous vous faites un serment, vous faites des vœux de fidélité et d'engagement. Pour certaines personnes, c'est ça. Et pour d'autres, comme je vous disais, il y a une fin d'une relation ici. On décide de passer à autre chose de beaucoup plus... stable, parce que soit on était dans une relation ici où on ne savait pas, on ne trouvait pas très bien sa place. Mais on voit, il y a vraiment cette envie de transformation au niveau de la consultante ici qui est en train de regarder au niveau de son passé, de tout ce qu'elle a dû mettre entre parenthèses, ou du moins de tout ce qu'elle a laissé tomber ou de ce qu'elle a dû faire pour en arriver là.
Il y a le fait de cette consultante, ça peut être aussi un consultant. Il y a du moins, c'est une énergie féminine, c'est une énergie qui a dû attendre. En fait, l'énergie féminine, c'est la passivité, c'est la passion, mais c'est aussi la patience. C'est aussi comme une sorte de contemplation. Je m'assois, je regarde, j'attends que les choses se mettent en place. Et aujourd'hui, on voit le fait d'attendre n'a pas vraiment marché. On décide de transformer les choses. Il y a un engagement ici, il y a une célébration, quelque chose de beaucoup plus. De beaucoup plus loyal et de beaucoup plus fiable, une vraie complicité, une vraie attente dans cette relation sentimentale, que vous quittez quelqu'un pour une autre relation ou que vous décidez de transformer votre relation, de donner une seconde chance, un second souffle à celui-ci. Et pour d'autres, comme je vous disais, il y a vraiment le fait de je quitte quelqu'un, une relation qui m'apporte que souffrance, maladie, pour aller m'engager avec une nouvelle personne qui me promet stabilité, fidélité. Hein, vous voyez? Donc, il y a vraiment quelque chose ici. Pour d'autres personnes, c'est on se reséduit, on se parle, on essaie de voir comment on peut faire les choses bien et on redonne une chance à cette relation qui semblait être déjà morte. Ça peut être un événement douloureux et qui a amené justement le fait que vous soyez si soudé avec cette personne. Ça peut être ça, une relation qui était déjà vouée à l'échec et qui a dû avoir un événement douloureux, un mal-être, un deuil. Un deuil, ce n'est pas forcément quelqu'un qui est décédé, quoique c'est possible. Ça peut justement être une situation compliquée qui a resserré vos liens, qui vous a fait comprendre que vous avez besoin d'être l'un avec l'autre. Et pour certaines personnes, c'est justement même le fait d'avoir été dans ce mal-être, dans ce deuil, qui vous a donné la force et la détermination de sortir de cette passivité, de sortir de cette attente et de partir vers quelqu'un ou vers une nouvelle situation qui vous apporte cette stabilité et arrêter de vous prendre la tête. Pour certains, c'est vraiment ça. Et la stabilité et l'attachement, ce n'est pas forcément que vous quittez cette relation pour aller avec d'autres, quoique d'autres personnes y font ça. Mais aussi dans d'autres cas, il y a des personnes qui quittent cette relation pour vraiment se fier d'abord à eux, qui quittent la relation pour d'abord se faire confiance à eux et pour attendre de se soigner, de se guérir, pour ne plus être dans cette situation où on ne trouve pas sa place. Ça, c'est pour vous les couples. Et nous allons continuer avec vous les célibataires. Oui, les célibataires, vous, c'est la glace. Nous allons continuer avec vous, les célibataires. Les Verseaux célibataires, qu'est-ce que ça nous dit, les Verseaux célibataires? Pour certains Verseaux célibataires, il y a un déménagement. Et il y a l'envie de découvrir le monde ici. Il y a l'envie de se faire d'abord plaisir. Et si tel n'est pas le cas, si vous êtes encore dans quelque chose de très renfermé ici chez vous, il faut peut-être que vous sortiez de cet élan, de cette énergie du passé qui vous hante encore. Il peut y avoir quelque chose ici de qui vous hante, qui vous êtes encore dans quelque chose de très sombre, de très obscur, même si vous avez envie de sortir, même si vous faites comme si tout allait bien. Il y a encore une blessure enfouie en vous que vous ne voulez pas voir. Ça ne sert à rien de fuir vos blessures puisque vous les portez en vous. On vous encourage vivement à aller voir ce qui ne va pas et accepter que cette relation n'a pas marché et même de vous soigner. Il y a un nouveau départ. Il pourrait y avoir quelqu'un qui entre dans votre vie et qui bouscule votre changement, qui vous permet d'être beaucoup plus dans la lumière, dans quelque chose d'aérien, dans quelque chose de beaucoup plus classique, mais quelque chose qui apporte de la chaleur aussi, qui vous permet de vous sentir bien, qui apporte une certaine guérison. Mais pour ça, il va falloir que vous sortiez de chez vous. Pour ça, il faut vraiment que vous sortiez de chez vous. Et même si vous êtes dans une situation de célibat et que vous êtes encore dans cette maison qui vous rappelle tant de souvenirs et pas que des bons, même s'il y a eu des bons souvenirs, si vous avez la possibilité ou si vous vouliez déménager depuis longtemps ou si vous voulez changer d'adresse et que vous êtes dit elle est partie et si elle revient et qu'elle me cherche, entre-temps j'ai changé d'adresse, peut-être elle ne me trouvera pas. Non, il est temps de passer à autre chose, de changer, de penser à toi. Changer d'adresse n'est pas forcément dit déménager. Pour certaines personnes, il y a vraiment l'envie de changement de lieu de vie. Changer d'adresse, ça peut être dit changement, se transformer. Ne reste pas dans l'attente de cette personne. Il faut passer à autre chose parce qu'au niveau... On va au centre de ton jeu, il y a vraiment l'encouragement de découvrir le monde, de s'ouvrir au monde, de fréquenter d'autres personnes. Et c'est là où tu pourras avoir la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes qui pourront t'apporter ce dont tu rêves, ce dont tu imagines, ou du moins t'apporter une autre vision de la vie de couple. Mais pour ça, il faut d'abord que tu penses à toi. Tu pourrais rencontrer quelqu'un,
comme un trotteur, c'est toi-même qui pourrais te transformer en trotteur de je découvre le monde, je vois des personnes, mais tu vas rencontrer quelqu'un, tu pourrais rencontrer quelqu'un avec une certaine différence d'âge, quelqu'un de très cultivé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, qui veut la stabilité, qui est quelqu'un de vieux jeu, peu importe que ce soit un homme ou une femme, tu peux rencontrer, tu peux tomber. Ce n'est pas forcément une différence d'âge, c'est quelqu'un de plutôt sage, on me dit, de serein. Ce n'est pas forcément quelqu'un de vieux ou de moins vieux ou de moins jeune. Tu peux tomber sur quelqu'un qui est justement plus jeune que toi. Et vu de l'extérieur, tu as l'impression que c'est quelqu'un de très superficiel. Et en force de fréquenter cette personne et d'apprendre à la connaître, tu te rends compte que c'est quelqu'un qui a une énorme connaissance de la vie et qu'à son jeune âge, elle a aujourd'hui envie de se stabiliser. Donc c'est quelqu'un qui va être différent de la relation précédente ou du moins des relations que tu as vues ou différente de ce que tu pensais d'elle. Il y a quelque chose de très différent, de très attractif et de très intellectuel. C'est quelqu'un qui a une grande connaissance de la vie en elle-même et que avec son jeune âge ou même avec son grand âge ici, sait vers quoi elle a envie d'aller, vers quoi elle a envie de se concrétiser. C'est quelqu'un qui va être pour toi c'est une relation qui va être très enrichissante pour toi, qui va te permettre de te révéler même à toi-même, de connaître. C'est quelqu'un qui pourrait jouer comme un rôle de... Je dirais pas un rôle de père, encore moins de mère, mais c'est quelqu'un qui va te révéler. C'est comme si cette personne venait dans ta vie, réveiller l'enfant intérieur qui est en toi, qui n'a pas su s'exprimer. Elle va t'aider à vivre. Tu vas te sentir, il y a beaucoup plus de spontanéité, beaucoup plus d'énergie avec cette personne. C'est un contraste entre quelqu'un de très jeune, de très spontané et de quelqu'un de très sage. Donc tu vois, par rapport à son âge, peu importe qu'elle soit plus jeune, moins jeune, plus âgée ou pas du tout, c'est quelqu'un qui joue comme, qui peut jouer comme, qui est spontané, qui a plein d'énergie et qui pratique aussi beaucoup d'activités, qui aime aussi, on peut aussi tomber sur quelqu'un qui est un bon vivant, mais qui sait aujourd'hui que ce que je veux, c'est une vraie stabilité. Tu vois, c'est vraiment sur ce genre de personnage que tu pourras tomber. N'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables. Peut-être c'est justement toi, cette personne. Tu vois, vu de l'extérieur, qu'on peut dire, ah, mais non, lui, c'est juste la fête. Alors qu'au fait, tu es quelqu'un comme ça. Tu es juste un bon vivant, tu as juste un bon savoir-vivre et tu es quelqu'un de très joyeux, de très convivial, mais ça ne veut pas pour autant dire que tu vas prendre quelqu'un jeté et après prendre l'autre jeté. Tu vois, ça peut être aussi la personne qui vient à toi. Bien, ça, c'est pour vous les célibataires. Et nous allons continuer pour continuer avec vous les couples ambigus. Donc, tu vois, les couples ambigus, cette personne que vous fréquentez depuis 6 mois et que vous voyez que d'hôtel en hôtel, tu n'es jamais allé dans chez lui. Soit il vient toujours chez toi, mais tu connais son lieu de vie, mais tu n'y es jamais allé. Soit quelqu'un qui ne t'a jamais présenté à personne, soit même au resto où vous n'êtes jamais allé, tu vois, ou alors quelqu'un où tu sais pas au fait, tu sais pas très bien où est ta place. Ou les triangles amoureux aussi, hein. Quelqu'un qui te fait des promesses, vous êtes 2, 3, 5 ans dans une relation, finalement tu trouves pas ta place. On va regarder tout ça. On a l'échec. Bon, déjà ici pour vous, les couples ambigus ou les triangles sentimentaux ici. On te dit, il est temps pour toi de prendre la distance dans cette relation. Il est temps que tu te concentres sur ta vie de famille si tu as les enfants. Ou si tu envisages d'avoir des enfants, ou si du moins tu envisages de construire une famille, il est temps pour toi de te préserver, de penser d'abord à toi parce que tu es en train de faner. On me dit clairement le mot faner. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, tu laisses cette personne te bouffer, puiser à ton énergie, te soucier, te vampiriser, et entre-temps, toi, tu fanes pendant ce temps, elle est en train de s'épanouir dans sa vie de couple, ou c'est toi, n'oublions pas, les énergies sont complètement interchangeables, et les promesses, il n'y a que des promesses, et rien ne tient sur la longueur. Donc, il est temps pour toi que tu passes à autre chose, parce que ça ne marche pas. Il y a quelque chose ici qui ne marche pas depuis bien longtemps. Tu as beau essayer de composer avec ça, d'étudier la question, de faire même des choses qui ne te ressemblent pas. Tu as essayé, tu t'es même pris, pour certaines personnes, tu as même pris de la distance avec des personnes chères à ton cœur pour cet homme ou pour cette femme, mais finalement, tu te retrouves que peu importe les efforts que tu feras pour cette personne, que tu essayes, ici on me dit carrément quelqu'un est tenté à sa vie, soit tu t'es même retrouvé à l'hôpital, il va venir ou alors il ne vient pas du tout. Mais tu es toujours là, tu te retrouves, parce que je vois vraiment quelqu'un qui a essayé de se faire du mal. Soit tu as même été à l'hôpital, tu as pris les médicaments, ou c'est elle qui a pris les médicaments et qui s'est retrouvée à l'hôpital, juste pour que tu aies comme la compassion et que tu reviennes dans sa vie. Soit cette personne n'est pas venue te voir à l'hôpital,
soit même si elle a téléphoné, et soit elle est restée en contact avec toi plus ou moins une semaine, tu vois, et après elle est partie. Au fait, elle est restée juste le temps que tu étais au plus mal, elle peut te consoler et te dire maintenant ça va aller, mais après elle est repartie. Donc c'est quelqu'un, on a affaire à des personnes qui ont déjà une famille ou qui ont déjà construit une famille ou qui vont construire une famille, mais pas avec toi. Tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui, que vous êtes deux, trois dans une relation, et qui décide de te laisser toi aujourd'hui qui regarde la vidéo pour aller se mettre en couple avec une autre personne qui n'est ni toi, ni la tierce qui était dans l'énergie, mais une troisième personne. Tu vois, quelqu'un qui te laisse toi aujourd'hui et laisse l'autre personne que vous étiez comment je vais te dire, en compétition, et va amener une troisième énergie dans la relation que ni toi ni l'autre ne connaît, et décide d'épouser celle-là et de fonder sa famille avec celle-là. Donc, te dis ici, il est temps que tu passes à autre chose, parce que cette relation ici, tu restes dans quelque chose de, tu es éteint depuis longtemps, tu es dans quelque chose de sombre, de noir. Il n'y a plus de lumière dans ta vie, il n'y a plus de couleur dans ta vie. Il est temps que tu mettes les actions nécessaires en place, que tu prennes ta vie en main et que tu acceptes d'ouvrir les yeux, parce que toi-même, tu sais que cette relation n'apporte que souffrance, mais tu ne veux pas ouvrir les yeux. Tu vois, il est temps que tu acceptes d'ouvrir les yeux et que tu passes à autre chose et que tu prennes la distance avec cette personne si tu veux réussir toi aussi plus tard dans ta vie familiale. Et nous allons continuer avec au niveau de ta vie spirituelle. Qu'est-ce que ça nous dit ta vie spirituelle? Ta vie spirituelle ici a une grande, il y a des choses qui sont en train de bouger autour de toi. Il y a l'ouverture à quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a une connexion même à la terre-mère. Aujourd'hui, on peut avoir affaire à des personnes qui se guérissent, qui décident de se soigner via la connexion avec la terre-mère. D'autres l'appellent Gaïa, mais moi, je ne l'appelle pas comme ça. Je préfère garder ça pour moi. Tu vois, il y a quelque chose comme ça ici, de beaucoup plus vrai, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus connecté avec toi, avec vous. Tu as envie d'avancer, de découvrir, de comprendre. Tu comprends d'autres choses, des choses que tu ne comprenais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as décidé d'être dans quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus ouvert. Mais tu as compris, tu commences à percevoir et du moins à comprendre certaines choses. Il y a comme vraiment une connexion quand tu te mets dans un état de réceptivité, de comprendre aujourd'hui, de voir des choses. Il y a la guérison, mais c'est surtout au niveau de la libération, de la communication et même de comprendre, de te dire, oui, ce que je sais, ce n'est peut-être pas au même titre que d'autres personnes, mais je préfère m'en tenir à ça. Je ne veux pas faire comme les autres au point de me perdre. Je sais que je peux découvrir des choses. La vie est belle, il y a des belles choses. Si le monde est abondant, ça veut dire que moi aussi je fais partie. Même si c'est compliqué quelques moments, même si on ne sait pas dans quoi se lancer, vers quoi se lancer, à quoi moi, à quel Dieu, à quel saint se vouer. Ici, on a affaire à quelqu'un qui a décidé aujourd'hui de se dire le Dieu ou l'énergie à laquelle je vais croire, au moins je pourrais croire à la terre où je sais qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que moi, mais je n'ai pas envie de m'enfermer dans un dogme ou dans une religion quelconque. Ça, c'est pour vous au niveau de votre vie spirituelle. Et au niveau de la temporalité et de la question oui ou non, vous fermez les yeux, vous prenez quelques temps, trois inspires, et vous posez votre question. Oui, non, est-ce que Jean, est-ce que Jeannette va revenir? Oui, non, est-ce qu'elle, je vais déménager dans combien de temps? On va voir au niveau de semaine pour la temporalité. Bien. Au niveau de la réponse, ici, on te dit oui. On te dit oui, il y a des choses ici que tu vas comprendre. Il y a un apprentissage, il y a une communication, il y a même un partenariat ici. Il peut y avoir une structure ici qui t'apporte enfin le bien-être. Il y a comme des études que tu peux faire ou la réussite au niveau d'une étude, la concrétisation, tu acceptes ou tu reçois quelque chose. Il y a un accord ici scellé. Donc la réponse ici est oui. Et au niveau de la temporalité, on te parle de 25 semaines. Donc, dès le moment où tu regarderas cette vidéo, les 25 semaines à venir. Mais on te dit, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et nous allons terminer avec le message de l'âme. Désolée pour le vacarme. Je vais boire un peu. Et nous allons terminer avec le message de l'âme, comme je vous disais. Le message de l'âme, nous avons... Waouh, quelle magnifique carte! Et la connexion, le temple, je m'unis au monde céleste. Vous voyez, ça rejoint encore au niveau de ta vie spirituelle. Ça rejoint encore au niveau de ta vie spirituelle. La beauté, la beauté du monde et le fait de voir la beauté partout
où elle est. Tu vois, de fait de rêver grand, de voir la beauté surtout partout. Et avec cette carte ici, on te dit ici, on te parle vraiment ici de ton temple intérieur. Il y a vraiment quelque chose ici au niveau de ton alignement. Et même, on voit avec cette carte, hein, il y a une certaine connexion, mais aujourd'hui, c'est de toi à toi-même. On va au centre du, là, on va au niveau du chakra du cœur, de cette femme, des oiseaux. Et elle-même, elle se contente de fleurir. C'est elle qui choisit aujourd'hui. Aujourd'hui, sa prière, c'est en elle. Et c'est vraiment le message de ton âme aujourd'hui. Il va falloir que tu saches que le reste, ce n'est pas à l'extérieur, c'est en toi. Et tu n'as pas besoin de croire en quelque chose pour. Tu n'as pas besoin de suivre certaines personnes ou encore moins de t'enfermer dans des dogmes ici. On te dit ici, tu dois être dans ton temple intérieur, là, au niveau de ton cœur. Et même, on voit bien au niveau de l'expansion, de la rose, de l'ouverture. Et même des ailes. Il y a cette notion de je me réalise, je m'envole. Dans la paix, dans l'amour et l'amour qui règne à côté de toi. Tu vois, les ailes qui sont déployées là, elles peuvent t'amener à un endroit exact où tu souhaites te rendre. Tu souhaites te rendre en ton temple intérieur. Il faut bien comprendre, ce n'est rien extérieur ici. Tout est vraiment à l'intérieur. Et ici, on voit quelqu'un qui sait qu'elle fait vraiment, qu'il fait, quelqu'un, il. Que quelqu'un, il sait aujourd'hui qu'il fait, qu'il est vraiment en unisson avec le grand tout. Et tu suis ta lumière intérieure, ta guidance intérieure. Tu vois la beauté du monde à travers les yeux de la nature elle-même. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a vraiment quelque chose comme ça. Tu fais confiance à la nature aujourd'hui. Tu sais parfaitement que tout est à sa place. Dans l'abondance, quand tu regardes les arbres pousser, quand tu regardes les fleurs, et quand tu passes quelque part et tu repasses quelques jours plus tard, tu vois, il y a une pousse, quand tu te balades dans la nature, il y a des gens qui se baladent dans la nature, qui vont cueillir des champignons, tu vois, et qui font à manger avec, et ils reviennent l'année d'après, les champignons ont repoussé, tu vois, et même quand tu te balades dans la nature, tu peux te retrouver en train de manger une belle cerise, tu sais pas qui a fait, mais il y a toujours quelque chose, même une fleur qui pousse ou une plante, un arbre qui pousse quelque part de complètement improbable. Et c'est là la beauté de la nature. Et c'est là l'abondance. Et toi aujourd'hui, tu comprends qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Et aujourd'hui, tu comprends que tu es uni ou tu souhaites unir au monde subtil, au monde céleste, comme tu veux les appeler, et enfin te mettre dans la paix et l'amour pour que tout cela puisse régner dans ta vie à chaque instant. Donc, du coup, tu prends soin de ton temple intérieur. Peut-être par ta façon de manger, par ta façon de faire des choses, de te faire plaisir. Aujourd'hui, il y a vraiment cette notion déjà avec ta guidance intérieure, avec ta guidance qui nous parlait comme de la météo. Il y a quelque chose de « je me fais plaisir aujourd'hui ». Il y a quelque chose je m'écoute d'abord moi. C'est d'abord moi avant tout. Peu importe ce que les gens feront, des publicités, tout le reste, la vraie personne... La vraie guidance vient de toi. Ton bien-être, ça dépend d'abord tout et avant tout de toi. J'espère que cette guidance vous a plu, les Verseaux, pour les 3 prochains mois à venir. Je vous dis merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si tout ça t'a parlé. Je te dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.